Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma partie avec le Bengale. On venait de faire une bonne guerre pour prendre un gros territoire. On était en train de réfléchir à s'allier avec eux. On se prépare à faire la guerre. Nos alliés. De ce côté-là, on est bien. Notre allié, on n'a pas d'héritier. Find. Donc le prochain objectif c'est Delhi. Voilà, Russie se fait ouvrir aussi. Va peut-être falloir aussi voir si on peut pas faire une alliance avec nos amis de Ottomans. En termes d'armée, on n'est pas non plus à la ramasse, hein. Mais une alliance avec l'Ottoman, ça serait quand même pas mal. Continuer de faire ici. Tiens, ça s'est libéré, ça, non? C'est pas ce que je voulais faire. On va faire le petit mariage. Mais si je mets, j'enlève pas la pause, ça ne marchera jamais. J'ai laissé le truc se tourner. On sait rien, c'est pas pour nous. Responsable au moins de 10%. Oui, je sais bien. On va faire ça, on va faire 2000 hommes de plus, on va pas se prier. Voilà, ça c'est nul. Assez de généraux, hein, c'est sûr ça. Si tu veux, alors l'Autriche me demande de passer. Bah, qui passe me voir s'ils veulent, mais je vois pas ce qu'ils viennent faire chez moi. On est à combien là?
Bon, on se refait quand même une petite armée, hein, c'est pas négligeable. On va se faire un nouvel allié, un nouveau vassal. On va faire ça, on n'a pas trop le choix. On peut faire 2000 hommes de plus. Allez, on en est où? Bon, déjà, on va prendre. Ça me paraît plus que normal. Est-ce qu'ils veulent être nos amis maintenant? Non, 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 rien à faire. On va d'abord faire ça. Ah ouais, c'est là que ça a pété en fait. Hop, on va vite leur mettre un petit général qui envoie du pâté. D'ailleurs, faire largement l'affaire. Un prestige annuel. Du coup, réfléchissons, c'est quand la paix? 1648 dans 4 ans. Dans 4 ans, on passe à l'attaque. Bon, de toute façon, il n'y aura rien, clairement rien de plus. Ils nous aiment toujours pas, ouais, j'ai annexé un vassal, il y a toujours un truc qui va pas de toute façon. Nous on se prépare à la guerre, alors contre qui sont en guerre, eux? Les Timourides. Je crois qu'il nous reste une manufacture textile à faire. Et après ce sera trois plantations. Les Pays-Bas. Bon, c'est pas mal tout ça. Qui c'est qui m'a annoncé comme rival? C'est le Rat, non? Ouais, c'est le Rat. Bah, mais bon, ils sont c'est une dépendance là. Avoir ça, c'est quand même plus important. Pune.
Vous allez vous occuper de ça et j'ai mes quatre armées qui sont prêtes à attaquer dans 2 ans. On est remonté un peu ou pas? Ouais, on va bientôt faire le truc des dépôts. Je sais pas si franchement il y en a beaucoup qui le font ça. Objectif. Aller taper ce territoire-là. Notre objectif. Ça paraît pas loin pourtant. Ça paraît pas loin. Boukhara, ils ont combien là? Est-ce qu'ils arrivent dans le classement là? Ouais. 65 000 hommes. Delhi a bien régressé avec ses 37 000 hommes. Je vais pouvoir donc m'en occuper. Puisque la paix se termine en novembre 1648. Donc il y a encore un an à attendre. Légitimité remise en cause. Faire ça. Ah, j'avais pas vu ça. Chattagram. Alors c'est où Chattagram? C'est à l'autre bout de la planète. On y va. L'autre truc, à Lac Nord. Hop là. C'est sur la route aussi. Allez, on y va avec tout plein d'hommes. Bah, je suis arrivé au bon moment. J'ai plus de général, j'en ai encore perdu un, tout va bien. Bon, ça retarde un petit peu mes plans. Mais bon, tant pis. On va perdre des ducats, du coup on va faire des plantations. Voilà. Attends, on va t'aider. On va t'aider, t'inquiète pas, on est tes amis. J'espère que tu te souviendras de ce geste. Donc il reste plus que là et là encore. Prochain coup, c'est ici que ça va se passer. J'ai mis 2 petites troupes là. On y va. Allez, on est prêt. Parce qu'ils vont prendre Delhi. On prend le général qui est là. On se décale. Maintenant qu'on a fait cette bataille, on peut rejoindre le gros de l'armée. Et on va attaquer. Qu'est-ce qu'ils font eux? Petit peu de réputation diplomatique. Chagatai, c'est gros ça, non?
Non, c'est tout petit. Non, je donne pas de territoire, mais en revanche, tu viens ici. C'est bien malheureux. Pour une fois qu'ils viennent avec moi, eux, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a les canons sur pivot. Donc face à nous, des petites armées. Allez. Objectif de cette guerre, avancer encore un petit cran. Allez, donc comme prévu, on amène des troupes ici. La capitale est tombée, on va baisser d'un cran. Ça, c'est plus que nécessaire. On va continuer de faire du coton. Donc on a dit que l'objectif c'était ces trois territoires-là. C'est largement faisable. Ici nous avons le jaune pour va le récupérer. Je vais lui donner sans problème. Et au revoir. C'est quoi coup d'annexion diplomatique? C'est pas urgent, urgent. On va continuer de faire grossir notre petit allié. Fidèle allié depuis bien longtemps. Plus comment on fait l'histoire de nos alliés, mais ça fait longtemps qu'il est avec nous. On prend ça dans la paix, non, ils veulent pas. Les manufactures. Soit c'est un à 12, soit c'est un à 25. Autant dire que je pense qu'il va accepter. Une paix à 12. Voilà. On s'en fout. On n'a peur de rien. Voilà. Ça, on est tranquille. Est-ce qu'on peut discuter? T'acceptes de parler? Moi, je dirais pas non à prendre un territoire de plus par là. Si ça te gêne pas, ou même celui-là, on va donner ça, celui-là, au Jaunpur. Ça serait bien sympa.
Chuck et arrive à la paix accordée. Pour y poursuivre, il faudrait qu'il y ait un bouton qui dise poursuivre cette armée, quoi. Allez, est-ce qu'on peut faire la paix maintenant? Oui. On est même à 11. Petit territoire en plus là. Bon, visiblement, c'est trop demandé. Ah, celui-là, ce sera pour nous après. Janus. Qu'on est bon. Sinon, plutôt pour une prochaine fois, plutôt que de prendre ce territoire qui va me servir à rien, on va dire plutôt que tu vas arrêter ton alliance avec la Crimée. Est-ce qu'on est ok? Est-ce que t'es ok de ce deal? Carrément. Tu vas là. Toi, tu vas te mettre par là. Toi, par ici. Et toi, par là. Et du coup, bah, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On va pouvoir s'arrêter là donc. Je vous dis donc à plus tard pour la suite de la partie. Salut à tous!